Bonsoir à tous. Le mois de mars est traditionnellement le mois de la pléchie dans le Morvan. Ils sont encore une centaine d'anciens agriculteurs à connaître cette technique, à transmettre leur savoir-faire lors de stages. Et c'est ce à quoi nous allons assister aujourd'hui pour notre 18h30, un petit cours de tressage de haies dans quelques instants, juste après la carte postale. Plancher en Morvan, station verte de la Nièvre, l'un des villages les plus élevés du Morvan à 624 mètres d'altitude, situé entre les lacs des Sétons et de Pansières. 336 habitants, les Planchésois et les Planchésoises. Son église Saint-Sulpice date du 15e ou 16e siècle, mais la commune, avec ses bois, ses ruisseaux, ses étangs et ses chemins, est surtout connue pour son passé actif dans le flottage du bois, dont il reste de nombreux vestiges. Autre tradition ancestrale qu'on retrouve à Plancher, la pléchie. Écologique, économique, cette façon typiquement morvandelle de construire des haies en pliant et tressant des branches à la force des bras a quasiment disparu. Imaginez, il y a 50 ans, toutes ces haies étaient pléchées, hautes, avec bien sûr les avantages de coupe-vent, de contre le froid, le soleil, etc. Et la biodiversité, les retenues d'eau, le CO2. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont vraiment plus le temps de pratiquer cet ancien savoir-faire. Les derniers détenteurs de ce savoir-faire tentent chaque année en mars de transmettre aux plus jeunes générations pour voir refleurir peut-être un jour des haies plessées dans le Morvan. Et voilà, vous avez raté pendant la carte postale, on a failli prendre trois branches sur la figure, mais Philippe Hotzel est toujours vivant. Bonjour Philippe. Bonjour. Dites-moi Philippe, en quoi ça consiste le plessage de haies, à part assommer les gens? Le plessage de haies, c'est une technique très ancienne qui servait à faire des haies vivantes, entrelacées, pour éviter que les bêtes rentrent sur les terres cultivées, ou alors sortent. Ah, je vous l'avais dit. Ou alors sortent. Bon, en général, c'est pas dangereux. En général, c'est pas dangereux, mais on n'a qu'à pas se mettre où il faut pas aussi. C'est vrai. Depuis 2009, vous organisez des stages et il n'y a eu aucun mort. Aucun. Donc, on a commencé il y a 9 ans avec 9 villages. Oui. Et 13 ans après, on est presque à 30 villages. Succès garanti. Beaucoup de stagiaires, moitié du Morvan, moitié de Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, qui viennent passer une journée ou deux. Et c'est un moment aussi de transmission de savoir-faire, parce que le Morvan est le seul territoire de France où ce savoir-faire est encore vivant. Et à la base, ça servait à quoi ? Justement, à clôturer les champs pour éviter que les animaux, les bovins ou les animaux de la forêt aillent sur les terres cultivées. Ou alors, s'il y avait un troupeau, sortent. Parce qu'une fois que vous avez tressé ça, au bout de 2 ans, la haie s'épaissit, elle est restée vivante. Et elle s'épaissit tellement qu'elle devient infranchissable. Et justement, ça survit combien de temps ? On trouve des vieilles haies plessées dans le partout, Morvan ? Dans tout le Morvan, vous avez des vieux piéchons, comme on dit, de hêtres qui ont 50, 100, 150 ans, parfois 200 ans, des hêtres, des charmes. On en trouve partout, le long des chemins, parfois dans la forêt. C'est vraiment une trace d'une technique qui a persisté dans le Morvan jusqu'aux années 60, 70, 80. Alors qu'en Europe, ça a disparu entre deux guerres. Et vos bénévoles, là derrière, ils ont plessé quand ils étaient petits ? Tous. Ils ont pléché avant de faire du vélo et ils ont le plaisir de savoir transmettre leur savoir-faire vivant à tous les stagiaires. Puis c'est aussi un moment d'échange important. Le Morvandio est quelqu'un de chaleureux. Et c'est un moment d'échange à la fois le midi pour le casse-croûte et entre les stagiaires et tout. Bon, on va voir ça, Philippe. Je vais tenter une approche sans me faire assommer. On se retrouve après. Jean-Paul, je m'approche de vous. C'est vous qui avez tenté de m'assommer tout à l'heure. Je vous tends un micro, c'est moins dangereux. Oui, bonjour. Bonjour. Oula, ça a l'air fatigant. Non. Prenez bien après le micro. Non, c'est juste la ponte. Jean-Paul, vous plaissez depuis combien d'années ? J'ai plaissé quand j'étais gamin. Voilà, il y a déjà un bout de temps. Et puis je m'y suis remis avec Philippe pour perpétuer les traditions. Comment ça se passait à l'époque ? Même tout gamin, on accompagnait les parents. Ah, bien sûr. C'était une corvée ? Non, c'est pas une corvée. Bon, quand il faisait froid, c'était pas terrible, mais enfin bon. Parce sinon, que... on y allait, il fallait y aller, quoi. Fallait y aller. Voilà. Il y a une période pour faire ça, on fait pas ça quand il fait beau au mois de juillet. Février-mars. Pourquoi ? Parce que le noisetier, c'est ce qu'on a en majorité ici, n'est pas en sève, donc ça évite de les... Elles reprennent mieux, quoi. Voilà. Parce que quand vous les blessez comme ça, quand vous les pliez, après, si elles sont en sève, elles se saignent. Voilà. Et...
Et Philippe, qui n'y connaît absolument rien, ça se voit. Un peu quand même. Un peu quand même. Il dit que ça peut durer des siècles qu'on retrouve des vieilles plaies. Bien sûr. Il y a des plaichons qui ont des siècles. Bon, il paraît qu'il faut que j'aille voir Michel. Il va m'apprendre une technique. Ça s'appelle quoi, comment? Un droite. Un droite avec l'accent? Oui, un droite. C'est quoi, voilà, une droite? Alors, c'est un bout de noisetier, une jeune pousse qui est torsadée de manière à faire un lien pour attacher un bout de bois ou attacher. Voilà. Je vais aller voir ça. Voilà. Vous me rendez le micro? Allez, continuez bien. Merci. Bon, allez, un droite. Faut pas que je l'oublie en route. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, il faut que vous m'appreniez, paraît-il, Michel, à faire une droite. Une droite. C'est quoi une droite? Une droite, eh bien, c'est une attache. Oui. C'est une attache avec un rameau, on torsade un rameau pour arriver à faire une boucle. Sans que ça casse. Et puis, ça servait à attacher la plachie aux endroits où elle risquait de partir avec le vent, voilà. Alors, Là, par exemple. Alors là, on est obligé de vous tourner un peu le dos, hein, parce que ça devient technique. Oui. Allez-y. Voilà. Alors. Ah oui, c'est comme une ficelle, en fait. Ben oui, c'est. Voilà, dans le temps, il n'y avait pas de fil de fer, vous voyez. Oui. Alors voilà, c'était. Voilà. Ils attachaient ça pour empêcher aux endroits où c'était fragile. Où c'était fragile pour empêcher que, voilà, que la haie se défasse. On retorsadait ici. Bon, c'est un peu dur. Où c'est un peu dur, Michel, et vous savez quoi, la saison. On a bien vu, ça va aller, je crois. Et puis, on plaçait ça dans On coince derrière. Derrière. Bon. Michel, je vous abandonne, parce que avant de faire une droite, maintenant que je sais le dire, il va d'abord falloir, je crois, que j'apprenne à plaisser les haies. Et ça, c'est Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes censé m'apprendre à manier la serpette, c'est ça? Oui. Racontez-moi alors, en quoi ça consiste? Je vais poser mes papiers. Ça consiste à entailler la tige. Oui. Montrez-moi. Je vais faire une démonstration, hein, comme ça. On entaille la tige, expliquez en même temps. Oui. Voilà, on affine et on coince. Sans casser complètement et on met dans la haie comme ça. Et on met dans la haie, oui. Et après, on tresse. Et après, on tresse, oui, bah celle-ci, elle n'est pas longue. Là, j'en ai une grande là, qui va bien, allez-y. Bien aller à faire ce qu'on veut faire. On n'entaille pas jusqu'au bout pour que la sève continue, voilà. Pour que la haie reste vivante, c'est voilà. Ça oui, voilà. Et après, on entortille dessus, dessous. Oui, voilà. On fait comme ça, toi. On continue à avancer, hein. Ouais, voilà. Voilà. Et après, Gérard, je vous arrête par là. Est-ce que... Oula, oui, jusqu'au bout de la haie. Voilà, oui. Et là, on laisse comme ça ou on en rajoute encore? Là, on peut en rajouter, on en a prévu deux encore. Le but du jeu, c'est toujours de prendre les branches du départ et ensuite de les plier. Je peux essayer? Oui. Celle-là, par exemple, j'ai pas besoin de l'entailler. Oui, on peut l'entailler. Dites-moi, allez-y. Un petit peu, oui. Ok, je vous laisse la serpe, vous avez vu? Oui. Et là, on plie. Voilà. Et juste, on fait en sorte que ça s'entortille, quoi. Voilà, oui. Ok. Et puis, le but, c'est quand on ne peut pas laisser assez de pieux vivants. Tournez-vous dans l'autre sens, parce que là, on ne vous voit plus. Voilà, on met des pieux, on en met qu'on rapporte aussi, et on les enfonce avec la... Ah, ça, c'est l'outil typique. Voilà. On met des pieux de manière à entrelacer. Voilà. Ok. Bon, vous savez quoi? Moi, je pense que je garderai les bénévoles. Je vous ferai venir, et puis je ferai le casse-croûte. Ah, d'accord. C'est mieux, non? Oui, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Bon, moi, je continue ma petite balade. Philippe, vous m'emmenez, il y a un agriculteur qui m'attend là-bas. Oui, oui, des gens de qualité. Je vous laisse en bonne main. Jean-Loup, oui, bonjour. Ouh, bah, je suis toute petite, là. Ah, bah, attendez, c'est parce que je suis montée sur la butte. Ah, vous êtes montée sur la butte, c'est pas grave. Voilà. Jean-Loup, vous êtes éleveur de charolais, vous, dans le Morvan? Oui, dans le Morvan, oui. Vous avez plaissé quand vous étiez petit? Non, mais j'accompagnais mon père. Et alors? Eh ben, vous en gardez un bon souvenir ou pas? Oui, parce qu'on ramassait les branches et puis on ratissait, mais autrement, chez nous, toutes les haies étaient faites de ce genre.
Et aujourd'hui, c'est plus le cas ? Ah ben, on n'a plus trop le temps, quoi, parce que maintenant, les fermes se sont agrandies et puis il y a de moins en moins de personnel. Et le plaissage est remplacé par les barbelés. C'est ou moins... la clôture électrique. C'est moins joli, mais c'est plus facile. Ah ben, c'est plus facile. On est bien obligé d'entretenir les prairies. Et puis, de cette manière, ça nous serait difficile de le faire. Justement, ces fameuses prairies, parlons-en. Ça fait le bocage du Morvan, ces haies, ces pâtures. Élever le charolais dans le Morvan, ça paraît logique ? Ah ben, c'est le paradis de la vache, le Morvan, parce que dans les prairies naturelles, elle a une flore d'une diversité exceptionnelle. Pour s'abreuver, elle a de l'eau d'une pureté aussi exceptionnelle. Et puis pour se coucher, elle a un sol qui est sain, granitite, donc un sol filtrant. Et elle peut ruminer en toute sérénité. C'est-à-dire que dans le Morvan, vous n'avez pas besoin, par exemple, de rentrer les vaches l'hiver ? Ben, on les rentre au moment où l'hiver se durcit. Ouais. Et c'est quand même plus facile maintenant, et on en a un certain nombre pour faire veiller. C'est difficile de faire veiller au pré et puis d'assumer toute la... Mais là, je pensais plutôt aux pâtures. Ailleurs, en Saône-et-Loire, en Côte d'Or, on les rentre parce que les bêtes abîment le sol. Ici, c'est pas le cas ? Non. Et puis ici, dans les prairies, même si elles sont abîmées un peu pendant l'hiver, il suffit de travailler, d'hercer la surface et ça repart tout de suite. Non, c'est des sols granitiques, c'est des sols filtrants. C'est l'avantage du Morvan. Mais le Morvan, comme les autres régions, a souffert de la sécheresse ces dernières années. Oui, ça est-ce fait... que vous avez fait évoluer vos pratiques ? Est-ce que vous avez utilisé la terre différemment ? La terre différemment, on a eu surtout moins de... Il faut avoir moins d'animaux. Ah, vous-même, vous avez réduit votre cheptel ? Réduit le cheptel, oui. De combien ? On a réduit... Avant, je mettais au taureau d'une quinzaine de vaches qu'on mettait en moins au taureau sur l'exploitation. Et puis autrement, on essaye de faire pâturer au fur et à mesure les prairies et de s'en réserver pour faire des foins. Alors chez nous, la technique, c'est de lâcher les bêtes de tôt au printemps sur l'ensemble de la surface et après de les parquer sur certaines prairies pour pouvoir faire de la fauche. D'accord, une rotation sur les terres. Une rotation sur les terres, et oui. Est-ce que vous, votre pratique, vous l'avez fait évoluer ces dernières années en fonction du climat ? Faire évoluer, on est obligé de faire avec, quoi. C'est ça, on fait avec, mais est-ce que vous réagissez différemment qu'il y a une vingtaine d'années quand il n'y avait pas de sécheresse ou moins de sécheresse ? Non, nous, c'est un élevage traditionnel, ça n'a pas changé, hein. Non, ça n'a pas changé. C'est le bon sens paysan, en fait. Voilà, les vaches, elles veillent au printemps où la nature se réveille et au moment où les vaches auront besoin d'énergie pour élever leurs veaux et où elles auront de l'herbe fraîche pour produire leurs veaux. Super, merci Jean-Loup. Je vous propose d'aller voir du côté d'une autre agricultrice. On est allé chez Pauline ce lundi, c'est dans l'Avalonnais, à Magny. Elle élève des brebis et vous allez voir qu'elle en prend grand soin. Et tout ça passe par le pâturage. Regardez. Pour nourrir sa quarantaine de bêtes, Pauline Trimoulinard veut la meilleure herbe possible. Aux portes du Morvan, la jeune éleveuse n'hésite pas à inspecter les sols. C'est très important pour moi d'observer en amont, avant de lâcher les bêtes dans les prairies, pour voir ce qui pousse et comment ça pousse, afin de savoir quelles bêtes je vais mettre où et à quel moment. L'idée pour moi, c'est vraiment d'utiliser le pâturage au maximum. Pour donner un maximum d'herbe à ses brebis, Pauline préserve donc ses pâtures. Après 3 années consécutives de sécheresse, elle a testé le report sur pied. Grâce à cette technique, elle a pu nourrir son troupeau, comme le montrent ces images tournées l'été dernier. C'est grosso modo laisser pousser l'herbe au printemps tant qu'elle pousse. Donc ça peut faire un peu peur, hein. On a peur de la gaspiller, clairement on la voit monter, on se dit ça va se coucher, les brebis mangeront jamais ça. En fait, elles ont tout mangé, ça leur a permis de trouver un équilibre entre le sec et le moins sec. Elles ont eu un transit qui s'est très bien fait, j'ai même la production laitière qui a remonté. La jeune éleveuse réhabilite aussi cet ancien verger. Elle y a planté des arbres fruitiers et conservé la haie pour apporter l'été ombre et fraîcheur aux animaux. Elle favorise ainsi la biodiversité. C'est le bon sens de nos grands-pères qu'on retrouve là, c'est le bon sens paysan. Il y avait des haies, c'était pas pour rien. Et moi, en tout cas, je m'y retrouve avec mes brebis et ça contribue à leur bien-être. Pauline essaie de donner un minimum de foin à ses brebis. L'ensemble du troupeau va retrouver le plein air dès cette semaine. L'idée, ouais, c'est de trouver une autonomie et une symbiose entre tout ce qui est bien-être animal, l'environnement et aussi trouver un bon rendement derrière parce qu'il faut en vivre.
Le travail sur les pâtures et la nourriture donnée à ces brebis, les clients le retrouvent ensuite dans les fromages de Pauline. Elle vendait jusqu'ici l'essentiel de sa production directement à la ferme, mais va très bientôt faire les marchés et passer par des distributeurs locaux. Et voilà, retour dans le Morvan. Je change d'invité. Je suis cette fois-ci avec Élise Séguère. Bonjour Élise. Bonjour. Vous, vous travaillez pour le parc du Morvan. Et justement, Pauline, qu'on a vue dans le reportage, fait partie d'un réseau qui s'appelle Pâturajuste. Expliquez-nous, ça consiste en quoi ce réseau ? Alors, le réseau Pâturajuste, c'est un réseau d'éleveurs. De techniciens aussi, de conseillers, de chercheurs, d'enseignants. Oui. C'est un réseau national qui regroupe du coup des personnes qui s'intéressent au pâturage sur les prairies naturelles. Oui. Et qui partagent des connaissances, des savoir-faire, des expériences sur ce sujet-là. Et dans le Morvan, on a aussi un groupe d'éleveurs qui s'est formé et il y a toute une animation qui se fait et ces éleveurs se réunissent régulièrement pour partager aussi leurs expériences, leurs questionnements et leurs savoirs. Là, vous avez maintenant des retours de ces stages. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Donnez-nous un petit exemple. Par exemple, on sait qu'on a des hivers très secs. Qu'est-ce qu'on apprend à un éleveur qui, normalement, s'y connaît ? Alors, les éleveurs qui s'y connaissent, ils peuvent venir pour partager des expériences. Mais en général, les éleveurs qui participent à ce groupe, c'est des personnes qui se posent des questions, qui ont qui cherchent d'autres solutions pour gérer leur parcelle. Et on apprend, il y a tout un tas de connaissances sur le comportement alimentaire des animaux, par exemple. On apprend aussi à définir les différents types de végétation. Par exemple, là, on a parcelle idéale. Il y a au moins trois types de végétation différentes. Il y a des zones humides. Ça ne va pas fonctionner de la même manière que le replat où il y a une prairie plutôt fertile. Et il y a un coteau où il y a une prairie beaucoup plus sèche qui va encore fonctionner d'une autre manière. Et du coup, l'idée, c'est de donner un peu ces connaissances aux éleveurs et par le partage d'expériences qui réussissent, eux, à organiser, à se servir de cette diversité pour organiser le pâturage tout au long de l'année de manière assez sereine, quoi. C'est un peu le bon sens qu'avaient nos agriculteurs d'autrefois, c'est ça ? Et qu'on a perdu avec la modernité ? C'est du bon sens, c'est du savoir-faire, c'est beaucoup d'observation. Effectivement, les anciens, ils ont observé toute leur vie, ils ont énormément de choses à transmettre, ils connaissent beaucoup sur les terres, sur les plantes, etc., les animaux. Les jeunes aussi, ils font des observations. L'important, c'est qu'on puisse se rencontrer pour en parler et partager tout ça, quoi. Il y a de plus en plus de monde qui adhère. C'est le but, ouais, c'est quand même qu'il y ait du monde. Après, on ne va pas chercher des problèmes aux éleveurs, mais le but, c'est vraiment ouais, que les gens puissent se rencontrer et en parler. Ouais. La démarche du parc, c'est de préserver ce bocage fait de haies, de mares et tout ça. À quoi est-ce qu'il sert, ce bocage ? Alors, premièrement, il sert à l'élevage, il sert à l'agriculture, à ce qui est cette activité économique qui soit possible ici. Après, ça a bien sûr aussi beaucoup d'intérêt pour la biodiversité, pour l'environnement, pour la qualité de l'eau, pour toute la faune et la flore que ça abrite, quoi. Et le but, c'est qu'économiquement, on puisse aussi en vivre. Moi, je suis persuadée que c'est possible. Ça ne s'oppose pas. Biodiversité, environnement, ça ne s'oppose pas à agriculture. Et le but, c'est que tout ça vive en harmonie, quoi. On sent une dynamique, ça prend, il y a des nouvelles personnes qui s'installent et qui adhèrent. Il y a pas mal de nouvelles personnes, il y a des installations de père, des transmissions de père en fils, mais on voit aussi on voit des personnes qui ne sont pas forcément du métier, qui ne sont pas non plus de la région, qui viennent reprendre des fermes aussi dans le Morvan et qui font aussi d'autres choses, du lait, de la transformation. La richesse du Morvan, quoi. Voilà, il faut un peu de tout. Merci beaucoup Élise, on en restera là pour ce soir. Vous le voyez, le Morvan, la tradition, ça peut avoir du bon. S'inspirer des anciens pour avancer dans l'écologie, dans l'environnement, dans l'agriculture, c'est possible. C'était la thématique de notre 18h30 et je vous donne rendez-vous demain. C'est maintenant l'heure de votre journal régional. Bonne soirée à tous.